マンドンベモジは、1978年にコンボ民主共和国の、ウェイボラディオペイが、夢の中で預言者に明らかにされた文字、として提案し、主に同国の国語である、スワヒリ語、キコンボ語、リンダラ語、ツルバ語を表すことを目的に、マイナーではありますが、現在でもコンボ民主共和国、コンボ共和国、アンボラの教会学校などで実際に教えられ、使われています。マンドンベ文字では、ハンブルなどと同じように子音のパーツと母音のパーツを組み合わせて一つの文字を作ります。母音を表す文字は、I、U、E、O というウムラウトを表す6種類で、主な子音は4種類の文字を反転、回転、結合などして表します。例えばこの、5のような形では、そのまま、A、につけると、な、と読みますが、180度回転させると、ば、左右を反転させると、さ、180度回転させて左右を反転させると、た、となります。同様にして、この方法で N、V、S、T、D、D、F、G、K、M、L、D、W、R、G、Y と、A、I、U、E、O、U ウムラウトからなる音節文字を作ることができます。また、D、D、F、G の音節文字を作るときに使った、Q、的なやつを上下反転して使い、S1、DJ、DS1、G を、母音を表す文字を上下反転して、H の音節文字を、それぞれ作ることができます。日本語のかなのような子音と母音が1対1の文字以外に、二重母音や連続する子音の表記もあります。他の連続する子音の表記は複雑なので、今回は省略します。これが訳ものです。あと数字もあります。1から5は母音に使われている形と同じですね。6、9もアラビア数字そのままの漢字で覚えやすいです。最後に一つ、演習問題です。次のマンドンベ文字を読んでください。正解は、左から、ま、ど、べ、で、マンドンで、キコンボ語で、黒いもの、を表していました。できましたか？以上でこの動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。カメラもこう、dernière génération, elle est vraiment très sophistiquée. Surtout qu'il faut copier un goût à Waté, depuis que tu continues à dire nos copies. Merci. Beaucoup de gens copient sans problème. Papa Maléo Nzao. Aux gens, la responsabilité, nous, on a niveau à Mandom. On a niveau à Mandom, on a Zalim Kwamazai. Kwamazai et Linkolobani. Kwamazai et Linkolobani étaient professeurs à Mandom. D'accord. Je suis un peu plus de temps. Atelio izo ko sala ba table 1 yende papa dadinde ipasa na ngai oto zo sala na ye mi kolonyo so butu moyi na etumba oyo to zali ko bunda pona ko match mandombe kene liboso kumola nga papa elo mama na za artiste a peintre na aga ko assiste mo na mona ka sala ka za kimbongi na kimbongi se ko na aga ko assiste mo na na artiste na sala ka C'est ça, on a dit que 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 c'est ça, on a dit
jamba ndenge biso batu mwindi yango na tiango mabuka ya noir kona nini ya mwindi kona nini ezali ezo présenter motu mwindi afukami azo yamba eloko wana oyo tozwi na bobutu mina oyo nde yamo mutu ezo représente richesse eloko tozwi jamba donc écriture mandombe écriture mandombe yango na brésil nyonso tu awa ndenge nini biso batu mwindi toyambeli yango tozwi yango ndenge nini a partir ya mir 5 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
du ciel parce que Papa Wabedadio, l'inventeur, nous avait expliqué qu'effectivement, qu'avant qu'il commence à enseigner cette écriture-là, il avait, n'est-ce pas, vu tous ces clés-là sortir. Donc c'est pourquoi aussi le tableau, c'est une inspiration un peu dans ce sens-là, pour montrer que tout ça, c'est sort. Là, pareil, c'est des motifs. Des motifs. Pas à dévoiler exactement ce que tu retrouves, bon, mais tu te limites à colorer ton dessin et pour en sortir, n'est-ce pas, un motif décoratif de tout genre. Hein, de tout genre. C'est exactement ça. Bon, ça veut être... Ça montre un tapis. Voilà, c'est un motif de tapis. Et ce motif de tapis-là, nous l'avons appelé Ntambizasama. Ntambizasama parce que, en fait, quand, après avoir conçu le tableau, on s'était rendu compte que le motif dégageait de temps en temps Pakundungu et Pelekete. C'est les trucs en bleu là que vous voyez. Pakundungu et Pelekete, Pakundungu et Pelekete. Et en fait, selon le motif, on s'était vite rendu compte que ça pouvait être un tapis. Donc c'est pourquoi nous l'avons appelé Ntambiza Sama et qu'à la longue, nous voulons bien que le Sama Kamando, le Papa Wabedadio, puisse faire ce tapis-là. Et qu'il soit le tapis, n'est-ce pas, de notre couleur de la royauté du pouvoir et le bleu, n'est-ce pas, la couleur de l'écriture négro-africaine. Tout ça. Ici, nous avons un tableau qui nous inspire un peu la pauvreté dans laquelle est en train de vivre l'homme noir en Afrique. C'est conçu toujours à partir de l'écriture négro-africaine. Donc en fait, en bas ici, nous avons l'Afrique. En bas, nous avons l'Afrique, effectivement, voilà, où ressort, n'est-ce pas, des colombes qui sont des signes de pureté. Et au-dessus, nous avons, n'est-ce pas, un diamant, et sur lequel est assis deux personnages. En fait, c'est des noirs qui veulent, ça montre effectivement que c'est des gens qui sont assis sur une richesse. Même ces deux personnages-là ne s'entendent pas. Le fait de s'être déjà retourné le dos à dos, ils ne s'entendent pas. Ils se contentent juste à demander à l'extérieur. Donc ça, c'est la main levée pour un signe de mendiant. Hein, de mendier, on demande sans s'en rendre compte qu'on est assis sur. Là aussi, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un motif. C'est un motif qui est là et qui peut permettre, n'est-ce pas, à quelqu'un de faire ce qu'il en pense. Ça peut être un motif. C'est pareil. Pas Thierry n'est pas là. C'est l'inventeur. Ouais, l'artiste. Celui qui a fait n'est pas là. Mais en fait, c'est comme je dis, ça permet à tous ceux qui regardent de se faire une idée, n'est-ce pas, de cet art-là de l'écriture de l'afro-africaine. C'est le même thème. Là, l'actif décoratif, ça on ressort un peu comme comment on appelle la paix. On a intitulé Tinoa Suekama. Tinoa Suekama, parce qu'en fait ici c'est comme un personnage qui ressort dans ce tableau-là. Le personnage. Il est représenté par. Ça, ce sont les yeux. Ah oui, effectivement. La bouche. Voilà. Donc il faut bien. Il faut bien regarder pour reconnaître qu'il y a un personnage ici. En fait, il y a un roi, il existe, mais quelque part il est caché. Tinoa Suekama. Il faut bien regarder pour interpréter le tableau, sinon que tu ne vois pas. Et celui-là, pour réaliser son tableau, il s'est vite rendu compte que il ressortait dans le tableau un peu comme des piliers, hein, puisque là où on voit des murs, mais en fait c'est des poteaux, c'est des piliers qui sont soutenus par une espèce de chenal ou de fer. C'est en quelque sorte une tout ça, c'est des motifs.
Nous avons ici aussi un autre tableau. Comme vous voyez, comme des mains qui sont en train de façonner le globe, qui sont en train de former comme une boule. Les mains, vous les retrouvez où? Donc c'est comme la main de Dieu qui est en train de façonner, n'est-ce pas, le globe. Le globe. Et en fait, c'est ce qui a fait que c'est comme si le globe a eu, n'est-ce pas, c'est comme s'il y avait d'abord eu des petits morceaux qu'on était en train de ramasser pour en former en fait à la fin un globe. Ici, c'est juste un motif qui semble où on semble retrouver un peu des fleurs. Hein? C'est comme des fleurs. Nous sommes sur le tour des fleurs. Comme maman dit. Comme maman aussi là-bas, il dit aussi, lui aussi, il est en train de voir des bougies dessus. Voilà. Donc, c'est des motifs comme ça de tout genre. En fait, c'est justement c'est le lieu qui a manqué pour vous montrer le plus grand nombre. Déjà là, c'est là que je me suis fait. Mais en fait, là, je vous me suis suffisant. Voilà un peu une façon. Vous voyez, qui date de 1500. Et il s'était identifié à Christ. Son autoportrait. Mais c'est un autoportrait. Parce que c'était effectivement un artiste, un peintre, qui s'était identifié à Christ. Et depuis lors, n'est-ce pas, le portrait tel que vous le voyez là, ça s'est imposé. S'est imposé jusqu'à devenir Christ. Il y a déjà un manuel que nous avons fait, en train de faire beaucoup de bruit, mais c'est un petit financement qui manque pour que le manuel puisse être, n'est-ce pas, mis à la disposition de tout le monde. Sinon, il est déjà presque fini. C'est un financement de combien? Bon, ben, pour l'instant, je crois que le financement, ça dépend du nombre d'exemplaires que vous voulez mettre dans le marché. Ben, pour l'instant, je ne sais pas si on peut d'abord aller à 500 ou 1000 exemplaires. Je ne sais pas, mais réellement, j'ai aucune idée. Mais c'est déjà un manuel. Voilà comment il se représente. Hein? Il est intitulé « Le faux portrait de Jésus ou l'Antéchrist, une escroquerie millénaire ». Dans ce petit document-là, donc, nous avons démontré qu'effectivement que le portrait actuel que nous avons de Jésus-Christ est un faux portrait. Et ce n'est autre que Albert Durer. Et qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas intérêt à les mettre dans les hôtels pour prier dessus ou pour, n'est-ce pas, l'adorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes voir combien exactement ce qu'il nous faut, ce que je disais que ça dépend du nombre d'exemplaires que nous pouvons mettre sur le marché. Mais tel qu'on le voit, c'est un marché qui aura une cinquantaine, peut-être de pages, peut-être 80 ou peut-être 100. Parce qu'en fait, ici, c'est une maquette, mais ça sera réduit au format A3. A3. Donc, on verra bien, mais jusque-là, on est en train de rechercher, on demande à qui peut le faire. Bon, pour l'instant, nous sommes en train de le rechercher dans le milieu kimbanguiste parce que nous pensons que c'est le milieu le plus mieux intéressé par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la déclaration de Papa Mfumambanza étant Jésus-Christ et tout. Je crois que ça nous a intéressé au premier plan. C'est pourquoi donc nous sommes encore dans le milieu kimbanguiste. Mais cela n'empêche pas que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé, nous voir ou nous contacter. En fait, nous sommes au centre, nous sommes les responsables du centre de Guinée négro-africaine. On peut nous contacter au 82. Ça, c'est le numéro de Brazzaville, bien sûr. Au téléphone, au 82. 0761, c'est ça? 62, on ne sait pas. En fait,
On peut aussi, le numéro de maman Gisèle, c'est lequel? Ou on peut aussi nous prendre au 21 07 21 17 09. C'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. On peut aussi nous contacter là-bas. C'est un livre assez intéressant. Mmh. Hein, enfin, en Afrique. Oui. La boîte postale. Oui. Du centre, oui. 12 078. On peut aussi nous atteindre là-bas. Plateau de 15. Plateau de 15. Donc, c'est ça. Dernièrement, je crois, on avait déjà posé sur ces choses-là. Et que nous, nous sommes à votre disposition. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez bien savoir, en dehors de ce que nous vous avons dit, nous sommes... Vous avez déjà trouvé un éditeur? Bon, en fait, l'éditeur, on peut dire oui, parce que le test est en fait déjà saisi. Hein? Mm-hmm. Ça y est déjà dans un appareil, dans un PC. Mm-hmm. Donc, il y a déjà un éditeur qui est là, qui peut, n'est-ce pas, en sortir les mm-hmm. ouvrages. En fait, est-ce qu'il vous a fait un devis? Bon, ben en fait, le devis, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui était en train de tourner autour de 350 000 francs CFA. Mm-hmm. Pour 350 000 francs CFA. Pour nous sortir au moins une centaine d'exemplaires. Mmh. Une centaine ça d'exemplaires. Peut être réédité. Si ça, voilà, prochainement peut-être. Voilà. Mmh. Il était en train de nous parler de 350 000 francs qu'il pouvait nous sortir une centaine d'exemplaires. Mmh. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est une personne de bonne volonté. Elle pourra vous contacter, elle pourra vous lui donner le nom et l'adresse de la personne à qui il faut adresser. Les sous. C'est ce que vous voulez. Oui, bien sûr, mais l'adresse réellement. Attendez. Je dis au moment venu, hein. Oui, au moment venu, bien sûr. Ça peut ou ne pas être aujourd'hui, mais c'est au moment venu. C'est ça. Peut vous contacter. Oui, monsieur Wungula Marie-André, c'est lui qui en est l'éditeur, qui a déjà ce travail-là dans son PC, et que s'il peut. N'est-ce pas, aujourd'hui, être capable d'en sortir les ouvrages. Donc, on peut l'obtenir. Cet éditeur, il veut la totalité ou une avance, ensuite le reste à la fin, je ne sais pas, mais ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas de modalité de paiement. Bon, ben, c'est des gens aujourd'hui qui sont toujours très... Monsieur Marou, oui, c'est ça. On peut le contacter, c'est au 51 80 79. Wungula Marie-André, 51 80 79. Si on le contacte, c'est lui qui est aujourd'hui là, qui a aujourd'hui ce livre-là, parce que c'est lui qui en a dans son PC. Ok, merci beaucoup pour votre sollicitude et votre gentillesse. Bon, on espère qu'il y aura une personne de bonne volonté qui prendra contact avec vous. Voilà, et merci beaucoup. Et on attend beaucoup d'eux parce que là-bas, les gens sont quand même assez, je peux dire, un peu cultivés, où ils savent un peu la valeur de l'art ou des choses que nous sommes en train de faire ici. Et que nous espérons que après votre départ, qu'il y aura soit des coups de fil ou des lettres, rien que pour qu'on essaie de s'échanger un peu de point de vue. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Parce qu'en fait, ça ne demande qu'à être publié. Hein, tout ce travail-là, toute cette richesse-là. Parce qu'aujourd'hui, là, la richesse de l'église Kimbanguis n'est plus aller chercher seulement dans la spiritualité. Aujourd'hui, l'église Kimbanguis est en train de matérialiser des choses que nous pouvons aujourd'hui montrer aux yeux du monde que c'est une église inspirée et qui est capable aujourd'hui là d'amorcer le développement du pays, hein, en fait de l'Afrique. C'est ça le problème. Avec l'écriture négro-africaine aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas de débat parce que nous sommes en train de démontrer des choses qui peuvent faire que ce pays puisse aller de l'avant, que le pays puisse se développer. Ça, on n'est que dans l'art, mais on peut vous montrer de l'architecture. C'est parce que pour l'instant, nous sommes pas prêts pour qu'on vous les montre. Hein?
nous avons un style architectural qui a été inspiré à partir de l'écriture négro-africaine. Nous avons des multiples machines que nous sommes, qui nous sont inspirées aujourd'hui là pour fabriquer, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons avoir ici. Hein? Donc c'est des choses aujourd'hui que nous ne pouvons peut-être pas vous faire tâter du doigt, mais enfin nous sommes en train de le dire pour que les gens se rendent compte qu'il y a des choses à faire avec l'écriture négro-africaine et que nous sommes prêts pour, n'est-ce pas, réaliser certaines expériences, certaines expérimentations, je veux dire, pour que les gens sachent réellement que nous pouvons faire des choses avec l'écriture négro-africaine, parce que l'écriture, c'est la civilisation. Aujourd'hui, tel que nous avons reçu l'écriture, c'est en fait la civilisation de l'homme noir qui prend de l'essor, qui doit prendre de l'essor, qui doit prendre de l'élan. Parce que c'est à partir de l'écriture qu'il faut maintenant commencer à inventer. L'homme blanc invente à partir de ce qui lui est donné, à partir de son écriture et de sa culture. Aujourd'hui, nous, nous avions nos langues, nous avons la... Na kombo ya tata mwana pe tata muli mosantu. Tokolo ba mingi te, na ba montre komi 15h10. Na yango tolandi mate na biso ya mokolo alelo. Tata pasteur ateyi biso abandelaki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya mate na biso tokende nango tobomba mpe tosalela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe asi akanisila biso likambo yango tobomba yango to sali la yango to simba yango makasi tata pasteur akenda ki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki to bateli me soki to bateli te a pasiye pamba te koya ya tata simo kimbango na mokili batunaka ye Nana tindiyo na musala oyo zali kosala. Yempe alobi kolo Yesu mutatindi ngai. Nazo sala musala na nkombo ya kolo Yesu. Sango ya kolo Yesu ekene na mokili mobimba. Eleloyo tala likambo tata molimo santu. Ayelaki eke na mokili mobimba. Yango tolobi ezali ntango na yo bomba mpe tosalela yango mpo na biso baétudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezalaki passe avant même 60 lokola tata Simo Kimbango abandaki mosala na ye na 21 na ntango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana akangamaki Eko banga ezaki na bato. Bana po batanga etanke yo landi Simo Kimbango ozana place te ko bengana. Ezana na misala, ezana na classe. Difficulté ezalaki mingi. Benzambe ndenge yango ezalaka. Likambo nyonso eza na ntango nango. Kino ntango na biso mpe ekokaki ba classe ye kobima bopito ye kobima to ba dispensaire e bandele toujours les arapas poelele poelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin mundela uti mbanzangu waye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanga trois mois asalaki kolo yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela nzela toyebi histoire akomi na gombeli tete maloba oyo ye abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani
Bon, naba patima, naba bele, ezali koningana, maloba ya pamba. Et oyo nyoso abimisaki, bayokaki yango. Tala distance ya nzela, mutazo kene na Ngungwa Kimbanda, ekole ezali pa ya mosusu, me voa na ye yokani makasi. Maloba nyoso yokani makasi. Aleki na ye. Classe mobimba, ebimi. Balandiye te na Ngungwa Kimbanda batala bana baye asolele na bana alubi bana bozonga bokendo kotanga alubi te biso tokende lisusu te abondeli bango bana babimi batala na likolo okave moni yo papa uza kobenga na biso me tala makambo nane komami na likolo batala okave okakana nzambe uvangama oyo akanaki kosala ekosalama ebongo bana balubi bon likambo te lokola yo olobi biso tokei pe lobamaki ke mokili oyo biso moko tokotambusa bokozala mutu munene tala likambo ezalaki nini maloba po nzambe liboso maloba profesi ekoya apres makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama lelo yo toza koloba basavant papa mfumalongo papa deyangi enda kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba embala liboso nani asangisa basavant na mokili azali te me papa deyangi enda asalaki yango basavant ntango baye presque bazaki bamindele tomonaki moto mwindo nakanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi me papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele biso mabondeli na biso baya bamonana totala bango basala mosala moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani nzambe oyo tozosala ke toye pa ya nzambe toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa na oyo basilisa nano te baza kotanga totyaka liboso nzambe ntango otye nzambe liboso oyo etikali ye moko akopesa ndenge pasteur ateyi biso sagesse ezala intelligence ezala c'est vrai nzambe mutu apesaka yango lelo loposo mwindo toloba ke eza na tata moko azwaki écriture mandombe toyebi ndenge nini azwelaki yango ndenge nini nayeyaka na nkamba sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango fin de fin nzela kaka ekomonana mpo eute epai ya tata nzambe baoyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture me likambo moko nayokaki na kinshasa esopesaki ngai eza tata wa beloadio na tata professeur kuna na ipen baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwini kiese alors sango wana eke na ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini soki maregrelere ekei toyoka ta moke tata wa beladio soki azali soki ye mutu akobenga tata professeur baoyo bazalaki kuna elekaki ndenge nini esengo nini ezalaki kuna na ipen mpo nga deja naza au courant tata wa beladio azali mutu bamwini kiese azali telemana nani toyoka moke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo soda azongaka nsima te asali molende lisalisi kameme eyaki
La tata professeur menga na lingena yokela ngona yemoko pamba tenga pena la commune lokola bino marigre na yokaki yango eza lukumu na biso batu mwindo kritire bimi tata obelo dimpega ikiti oui ke tuke katu kiti sawo biso de fuidi nkokela situla leki kaka poi kamwa kitoko ya kitoko parce que et comme moi, je suis sali, et ça a une valeur. Valeur n'est pas une valeur. Je suis pas mais tant que tu as inventé Babiloko, ah, écriture, il faut ça là. Sans écriture, les Kamboana, ah, comment on a pamba. Mais nous avons bon ici déjà. Ce que ça va, c'est que nous pour tout le monde, déjà écriture. Et que tu bobo, que tu as un peu de temps, que tu as un peu de temps. Mais quand nous expliquons ce que malgré l'air qui est très important, la bisoba toujours y est là. Toujours qui message yaba professeur. Bandima qui travaille na biso écoute na ipe. Et singela qui ndiko na bisoba munikese à défendre. Écriture négro-africaine, il y a Papa Simon Kimbangu, dans le département, il y a langue. Kasi, il y a difficile, parce que le professeur, il y a soutenir, parce que le monde qui a dit, il y a Sika, il y a la documentation. A mega qui Bunda, ba professeur mususu ba boya kikaka ba lobi e kokiko zala souteni na université na faculté na bisoté pambaté documentation zalité ba yebisi a changé sujet tango asalinde wana ayoko yebisangai ngana lobi na ye meka ko trouver ba professeur mususu expliquer bango nani akoko ndima asali sa bisopo travail na biso et kota kuna parce que ce qui est koti mingi ba ko découvrir Papa Simon Kimbangu à travers écriture oyo munene na ye akende ki lisusu akende ko trouver professeur oyo ba ye na ye tango expliquer malgré ba professeur mususu ba zalaki ko boya mais oyo ba ye na ye alors bon li kambote ngai na komeka ko soutenir yango na kotala soki ekozala ndenge nini me banana no ko préparer travail yango de temps en temps banaki ko yepa na ngai pona ko pesa ye ba réponse na ba question za ko poser ngai si la révélation na suka nango tango travail sili ba fixer date ya ko défendre yango malchance mukolo wana semaine wana mwana noko nanga kufi ya 40 ans et noko za la capsang ngamuna za ko bongisa makamo matanga niyo swala ndenge noko senga kina bongisa ngona telephone siko yo date ya conférence e koki ba benyinga ngana lobi mena sala matanga siko yo nakosala ndenge ni ba lobi il faut ka oza la parce que ba professeur mingi bazali awa ba yebi écriture wana te yo fosa la pona ko compléter ou laksa ndenge nini ozulaki écriture wana pe ndenge nini fonctionnaka heureusement avant 3 jours tango ya senga kinga yi contribution ngana lobi na kufeli cousine na ngai mwana noko ngamu nazo bongisa makamu nyonso vraiment na kokate benga na nkamba papa salisa biso parce que ko défendre senga ka fokoza na moyen ne to benga gina nkamba papa merci beaucoup papa tin la gibiso mo enveloppe bango moko ba étudiant ba soa ki mo wana ba organiser ki yango kitoko alors tango ba lobi salan no ki oya parce que lelo il faut défendre ezala me yo fozala contenir ba préoccupation na koma ki mo mo ke na retard
balobi loin kaka taxi biso to kufuta awa ndene nazwa ki taxi express ekina kutikanga kuna na taxi express ekina kutikanga kuna na ipen même chauffeur taxi tant on a comme qui a comme qui parce que ba itide ba yego se langa tina porte ya entrée ya ipen et tant au taxi est commis ba itide ba zo landa taxi le ko la président république a commis ba tu nyonso ba zo kama ba itide nyonso bazala iko kama pona ko tuna makamu nini oyo nani oyo yao bon kwa tire zo kene me bango nyonso ba zo landa mbango na si dikito sal tant de pomi ba profiter parce que si c'est la même dans une zone écriture yo la révélation de la Simon Kimbangu après ce que yo on est sur pas du moins après ce biso yango pote biso batu mwindu tous à la na base na biso ya développement. Et pas être reçu là, ma connaissance n'yon so ou être reçu la biloko yandenge nandenge. Na pesi bangon na kisangana, le biloko la tozali na faculté de lettres. Bino a waboza ko étudier ba langue. Mengai na zwaki révélation moko, ke ba langue na biso ya kikongo, langue na biso kikongo, ezali langue moko, scientifique ma bomba mieza na kati. Na zwaki yango na révélation. Papa Simon Kimbangu mutaye ko la kisangai. Ayebisinga itala na kata balanga na biso okumuna mabomba mieza kuna me ezalist ba mabomba moko scientifique na base écriture negro africaine okoyebela yango ne banana zwaka revelation wana na banaki kotidie kaka balanga na biso kikongo na zako tidie langa na biso kikongo kintandu kindibu kiyombe na zako tidie etina yako découvrir ke ya solo za balanga scientifique. Nazo lobango na kombo ya Nzambe papa Simon Kimbangu mutaye ko yebisanga ke mabomba meza na balangi na biso liyekula yango me ayebisaki ngai teke ezana lang boy kaka lobaki na balangi na biso banda ko yekula yango na bandi ko yekula na bandi ko yekula na bandi ko yekula na bandi ko yekula ndene ayebisaki ba professeur tala mabomba meza na balangi na bino ba na balangi na biso bino moza na département de langue me mabomba miwana mingi bo yebi yango te na lagisi bango na lobi na kominga bin na yebisi bango bi écriture mando meza ba principe mibale principe de miroir na principe optique mais tant on a joui momoko ya kikongo na salango ba moya kikongo quelques moya kikongo na salango etide na yoko comprendre que soko tozui par exemple kombo ya nkuta biso nyo to yebi nkuta ba mama so bazo teka makala batsaka ba nkuta ba makemba ba nkuta makemba nkuta nguba alo nkuta wana soko ozui lettre n au garder aux juifs syllabes un coup na syllabes n'ta soko sali rotation comme un nengue miroir et sala ke kriti mando me sala ka 5 comme ka 2 2 comme ka 5 et change ka soko zun coup na nta au sangisi au baloli yango boye et ko sala nta ko c'est à dire mama soka tien kuta na balabala ya makala soit ya nguba se ka zako luka nta ko te na kati ya kombo ya nkuta soko sali rotation nta ko comme melaye pétrole te comme melaye mungwa te memelaye nta ko Nkuta mutu soka chamo na balabala achaka toujours prix. Prix yango nde babengaka ntalu na kikongo. Parce que mutu akosomba ko tuna nkuta oyo combien? Mutu akoteka ko lobake ntalu ezali 20 francs ou bien 50 francs. Or na ntalu wana ne mutu azula kama yele ya kozula bénéfice. Et na ntalu soko sali rotation ya ntana nlu o garder un et ko sala nluta. Nluta lingo loba bénéfice en français. Et tant que ça la rotation, c'est-à-dire, soko zala nkuta, il faut que tu aies pris. Pris ezali ntalu. Soko zala ntalu, zala mayele parce que nantalu ko zula bénéfice, yango ne basali rotation, nluta. Et soki ozui nluta, yango ne mute ko sala ozala nantaku, ntaku yango mute ko sala ko soma marchandise mususu mankute koma ebele, et puis mute komi na mbongo, donc yaine rotation. Alo ba mwana, ba koko ba bomba ka yango, parce que bazalaka na écriture te ba moiza ebele na koko cité par exemple kola ba mpaku to yebi biso nyo to futa ka mpaku l'état luka kazwa mbongo ebele or mpaku soko sali rotation ya mpaku ezali kumba c'est à dire l'état zako kumba mbongo pour que ça l'était comme na mbongo ebele mpaku est égal kumba donc voilà ba moiza ebele to découvrir
alors l'un a l'accès d'un ouana par professeur par bête qui m'a beaucoup par c'est pelagi nazalaki bref et puis n'a l'accès bango dimension écriture n'a biso n'a pas avantage d'un parce que n'a pas écriture n'y a mon kili ou y'a biso kakande comme à canaton c'est à dire ce qui m'a dit yombongo au komi mukanda n'a n'a yibiyombongo n'a kanda tant au fond la mukanda foyer baké mouta commune à mukanda assis à yibiyanga na salima bé pas embatté à combien on attend. Donc ce sont des avantages de notre écriture. Alors on a dit ça professeur que ce qui est étudiant oyo a pour na rasiger oyo té ndenge nini bino ba professeur ba ko yeba munene papa simo givango pe ko yeba munene mabomba mi oyo zana ba langue na biso batu mwindo ko ndenge na lakisel bino nde ba professeur ba sepela ki ba tellement ki sur place ba lobby l'étudiant a réussi, le travail est accepté dans notre département. Bravo et betami. Tu yambani wana, tu connais comme la moba coca. Voilà, ndenge le kelaki professeur, merci beaucoup. Parce que notre souci, que le monde entier découvre Papa Simo Gimbangu, les actes de puissance de Papa Simo Gimbangu. Parce que l'homme noir demeure un rebut de l'humanité par manque de connaissances. Alors que les connaissances viennent de Dieu. Et Dieu, c'est Papa Simo Gimbangu qui s'est fait homme pour nous révéler les choses cachées que nous, les Noirs, nous ne savons pas découvrir. Et comme nous avons notre Dieu, Papa Simo Gimbangu, nous qui avons compris, nous avons essayé de mettre notre sagesse pour que Papa Simo Gimbangu puisse demeurer avec nous en nous révélant les bonnes choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire de nous de véritables partenaires du monde. Et nous l'avons déjà démontré à travers le monde. Et le travail de cet étudiant, nous souhaitons vraiment que vous puissiez bien l'encadrer et faire en sorte que, de votre côté aussi, vous puissiez organiser des conférences ici, cette écriture, à partir de ce travail, afin que les autres étudiants de différentes universités découvrent la grandeur de Papa Simo Gimbangu à travers ce travail que l'étudiant Bamounike a réalisé. Merci beaucoup, professeur. Merci, Tata Wabela Diou. Elingo Lobanini, Valère Ayo Mutumoindo et Zali. Ozo Kene Nanzela, Yo Lubi Tikana Kende Zand. Kokende Ozo Kende, Eloko Nine Golaxake, Zandu Komi Pembeni, Matiti Akoko. Obadio mona yango lubike zandu ya wana tikali muke mona yango bisompe lokola batu mutumwindu to sala makas na mabondeli etikali muke dengena lubaki ebandeli ezaki maloba apre likamboyo kumona na atai umeli mego salama to zange lokote. Nyonso tuza nango pembeni. Tangu mususu toko mwona kiba frontiere kukangama. C'est vrai kukangama. Esiko ubisu tusala ke loko mwokote. Trafik suge zalite, mwaya kufivre zalite. Me mwaya zali. Tuza kuye kwa lapona nini. Toko sala biloko andenge na ndenge ya makamusi. Kolo tofeta kina bona ne, mama mbenza asali mikate na ye. Mi mikate yangu, farini te, nini te, manioko kaka. Alors, manioko wana, ati solusyo kaka ya, yo biloko tosali laka. Posu kina lubi yangu, manioko ya batu yikono kusila na zamba. Na research na ye, tole yango tomoniki kolika kutoyaka ya farine eleki mais ye asali yango kaka na bi simple ndenge toliaka gato ya communion ye tolobi kaka manioko oyo ya sukali oyo ya bololo te okonosisa manioko ya bato na yango wana mpasi ezali koya mokili balobi mpasi ezali koya me biloko nyonso oza nango pembeni na mosika te eko sali sabiso nantango zwe eloko sali yango fote ekritire wana ebimi pona ete mokili nyonso kokenda ekritire oyo ezaka batu mwindu eloko ebimeli kuna nde yango wana
Nzambia kukosa kate, makamuna yeza na nzela. Tosalaka makasi na mabondeli. Na kacha bolingo mibeko mpe misala, tata mwana pe, tata mwalimu santo. Amen. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Et si on parlait de la décolonisation mentale entreprise au Congo au niveau de l'écriture? Version simple, bien sûr. Mandombe, ce qui appartient aux Noirs, est maintenant réalité. Est-ce que tu connaissais? Il existe près de 470 écritures dans le monde qui sont réparties en moins de 10 groupes. Gréco-latin, que nous utilisons, chinois, cyrillique russe, indien, arabe, hébraïque, ainsi qu'un petit groupe en Éthiopie appelé l'écriture abyssinie. Pour écrire nos langues afrodescendantes, nous empruntons la plupart du temps les écritures occidentales. Ainsi, nous adaptons nos langages aux possibilités d'écriture que nous offrent les alphabets occidentaux. Ceci a pour conséquence de détruire certaines prononciations et bien évidemment de dénaturer les langues africaines de leur environnement. Petit exemple simple, l'ethnie Bakongo. En suivant l'écriture gréco-latine, cela s'écrit Bakongo, en référence à leur localisation sud. Ainsi, il s'agit des gens de la région sud des deux Congos. Cependant, en langue Kikongo, Bakongo signifie plutôt les Congos, sans définir une partie géographique. Il faut savoir que sans emprunt linguistique et graphique, il n'y a plus de colonisation ni de néocolonisation linguistique. Et ça, c'est ce qu'avait compris le professeur Bakongo, David Wabeladio Pai, en 1978. Ce dernier, âgé de tout juste 21 ans, va inventer le Mandombe, une écriture extraordinaire qui a pour but de permettre aux Africains de s'émanciper de la colonisation linguistique héritée de l'esclavage et de la colonisation. Il faut savoir que la colonisation passe aussi par l'écriture, et le Mandombe a pour objectif de faire sortir les Africains de cette colonisation mentale. Le professeur David Wabeladio Pai reçoit la révélation de cette écriture par l'esprit du prophète Simon Kimbangu, mort 27 ans plus tôt, qui le visitait dans ses rêves. Ainsi, les parents de David, étant de fervents catholiques, penseront que leur fils touche au fétiche. Simon Kimbangu était un grand prophète au Congo, dit RDC aujourd'hui, qui lutta toute sa vie contre l'oppression et la colonisation occidentale. Il fera près de 30 ans de prison et il décédera en 1951. Dans ses visites, le prophète Simon Kimbangu aurait dit à David Wabeladio qu'il allait lui confier une mission pour la race noire. L'objectif étant la décolonisation des langues nationales qui rendrait définitivement les Noirs indépendants. Mandombe est une expression Kikongo qui signifie ce qui appartient aux Noirs est maintenant réalité. Le Mandombe est l'une des écritures africaines les plus étudiées et les plus connues en Afrique centrale, utilisée pour transcrire plusieurs langues bantoues comme le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo. Elle est enseignée dans les écoles primaires, secondaires et supérieures en Afrique. Actuellement, l'Académie du Mandombe travaille à la transcription d'autres langues d'Afrique subsaharienne. L'écriture du Mandombe peut tout autant être utilisée pour écrire des langues occidentales sans problème de sonorité. Cette écriture n'a pas fini de nous surprendre. Mandombe, par nous et pour nous, on valide fort. Maintenant tu sais, j'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de liker, partager et surtout... Ça va, 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 ça va,